demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le biais de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux haïts? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de votre fidélité à Télé 7 dans l'actualité de ce dimanche 22 septembre 2013. Concertation nationale, les travaux ont atteint leur vitesse de croisière. Tous les groupes thématiques sont à l'étape des propositions de résolution et les groupes armés tiennent à y prendre part. Il faut noter qu'ils ont dit, même en dernière minute, ils sont prêts pour apporter leur contribution. Le miracle tant attendu ne s'est pas donc produit pour le pasteur Denis Lessi et ses co-accusés. Ils écopent tous de 10 ans de servitude pénale principale. Le jugement du tribunal militaire de garnison de Kinshasa est tombé vendredi dernier au cours de son audience foraine tenue à la prison militaire d'Indolo. Nous reviendrons également dans ce journal dominical sur d'autres informations importantes qui ont marqué la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Commençons par les concertations nationales pour signaler que ces assises devront se poursuivre jusqu'au 28 septembre prochain. Déclaration d'un membre de la cellule des communications du secrétariat technique chargé de l'organisation des six assises. Ouverte depuis le 16 septembre dernier par le président de la République, les concertations nationales visent à sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire, politique et sociale. Et selon la source de l'agence France Presse, tous les documents des questions traitées par les groupes thématiques devraient être remis samedi 28 septembre prochain au président de la République, Joseph Kabila Kabange. À propos toujours de ces concertations, les délégués des groupes armés en séjour à Kinshasa ont été reçus mardi dernier par le Présidium des concertations nationales. Ces délégués estiment que leur présence est indispensable à ces assises. Pour le président de l'Alliance des forces populaires et patriotiques du Congo, Jules Ziringabo, les représentants des groupes armés ont de l'influence pour contacter les groupes résiduels afin que la paix revienne dans l'est de la RDC. On l'écoute au micro de Télé 7. Ce ne sont pas des personnes comme nous, des personnalités comme nous, qui devaient être hors du premier cellulaire dans une affaire de concertation nationale, surtout quand il s'agit de traiter des cas comme le désarmement, l'intégration, des cas comme la démobilisation, la réinsertion sociale. Ce sont des matières que nous maîtrisons parfaitement puisque nous y avons travaillé pendant plus de 2 ans avec des grandes délégations de la communauté internationale qui nous ont accompagnés durant tous les processus. Il nous a demandé de lui présenter nos listes et il a demandé que s'il nous fait entrer dans les concertations, que nous, en contrepartie, nous puissions nous impliquer de toute force pour que, à travers nos différentes connaissances et nos contacts avec tel ou tel, que nous voyons comment nous pouvons influencer tous ces réfracteurs qui sont dans des maquis par-ci, par-là, à revenir à la raison, déposer les armes
et donner la paix à toute la nation congolaise. Nous pouvons influencer, confirmer la totalité, c'est une erreur. Mais nous savons que nous pouvons quand même quelque chose de considérable que la nation ne peut pas. La nation sera contente de nos œuvres. Du côté du gouvernement, le groupe armé qui opère en République démocratique du Congo ne prendront pas part à ces concertations nationales. Là-dessus, le gouvernement congolais est donc formel. Il n'est pas question pour la République démocratique du Congo de donner une prime à ceux qui prennent les armes. En tout cas, c'est la position du gouvernement rendue publique jeudi dernier par son porte-parole Lambert Mende Omalanga, alors qu'il tenait en point de presse à la RTNC 2. Thierry Kasongo-Moyumba, Nadine Laingo et Bébi Malobo pour le reportage. L'occasion offerte au peuple congolais de se réunir et d'adopter des stratégies pour résoudre la crise dans l'est du pays et lutter contre sa balkanisation demeure à ces jours les concertations nationales. Vu sous cet angle, ces assises ne sont pas les lieux pour discuter de la situation des groupes armés qui écument l'est du pays. Pour ce qui est de leur participation aux concertations nationales, Lambert Mende Omalanga est clair. Les concertations nationales sont un lieu de rassemblement contre l'agression et la balkanisation du pays. Elles ne doivent pas se transformer en un exercice de sacralisation des crimes et de l'impunité. Le tribunal de l'histoire nous condamnerait sans appel. Certes, lorsque l'on cherche une solution à un problème de société, comme celui des cycles de violence, pourquoi, dans le cas d'espèce, les Congolais réunis en concertation nationale pour rechercher la paix à l'est de leur pays devraient-ils être contraints de faire appel ou y associer des forces négatives encore actives, c'est-à-dire non repenties ? Aussi séduisante soit-elle dans la forme, nous le reconnaissons, l'idée d'une participation de groupes armés encore actifs aux concertations nationales est une mauvaise chose pour le pays, car dans le fond, elle enverrait un signal désastreux, nous l'avons dit, pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouvernement, aussi longtemps que la constitution du pays ne prévoit pas l'intégration dans les FRDC des personnes à double nationalité, ces dernières ne sont pas non plus éligibles à l'intégration dans les FRDC et à l'amnistie, tant souhaitée par le M23. Revenons aux concertations nationales, le groupe thématique conflit communautaire poursuit avec ses travaux sur l'analyse des causes et conséquences des conflits communautaires en République démocratique du Congo. Jeudi dernier, les membres de ce groupe ont achevé la première étape. Reste à présent le remède apporté au dialogue ou au diagnostic établi. Je vous rappelle que l'objectif de ces états généraux était donc de relever les causes en vue d'y apporter des solutions définitives, nous disent Francine Mayamba et Patty Alouma. L'analyse des causes et conséquences des différents conflits qui menacent la paix en RDC est la matière au centre des discussions dont les groupes thématiques « Conflits communautaires, paix et réconciliation ». Durant presque 4 jours, les délégués dans cette thématique ont partagé autour des conflits ethnopolitiques, conflits fonciers, conflits tribaux entre Kasaï et Katanga ainsi que de la problématique des Banyamulenge afin de mettre en place des mécanismes pour la résolution de tous ces problèmes communautaires. L'homme ne doit pas être jugé de par de sa faciès, mais de ses actes. Il y a des Tutsis qui sont traîtres, qui sont avec le M23, mais il y a des Tutsis qui sont avec le gouvernement. Donc on ne peut pas dire que toute une communauté est avec le gouvernement, toute une communauté avec le M23. Vous avez Roger Lumbala qui est parti, on ne peut pas dire que tous les Kasaïens sont des traîtres parce que Roger Lumbala est parti. Pourquoi la communauté Tutsi doit faire exception ? Nous prenons tous ces points de vue, nous les mettons ensemble. C'est à la fin que nous allons essayer de regrouper les causes, de regrouper les conséquences, de regrouper les recommandations, trouver ce qui est acceptable aux yeux de tous et que nous pouvons adopter avec le consensus. Ce groupe thématique va procéder dès ce samedi à la lecture des recommandations qui seront soumises au Présidium des concertations nationales pour approbation.
Et puisqu'on parle de l'analyse des conflits, dans les états généraux des groupes thématiques, un conflit a été déconsidéré aux concertations nationales. Il s'agit de celui qui oppose Jean-Claude Muyambo, gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. Maître Muyambo s'est donc rabattu sur les concertations nationales pour accuser Moïse Katumbi de mal gérer la province du Katanga. Seulement, lui et ses compères ont été conduits par le groupe thématique Gouvernance et Finances qui qualifie ces conflits d'adversité politique. Commentaire de la rédaction avec Thierry Kasungo. Errare humanum est. Cette perseverare in erraro diabolicum est, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est un acte diabolique. C'est le moins que l'on puisse dire dans ce qui apparaît comme un conflit ouvert entre Jean-Claude Muyambo et Moïse Katumbi Tshapwe, gouverneur de la province du Katanga. Après avoir loupé leur coup fourré du lundi 16 septembre, projeté dans un restaurant de Gombe, Muyambo et ses compères, ils se sont rabattus sur les concertations nationales où ils sont allés déposer un chourave comme document dans lequel ils prétendaient dénoncer la mauvaise gouvernance de Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga. Mal leur en a pris car ils ont été éconduits comme des malpropres par le participant au groupe thématique Gouvernance politique et finances. Ces attaques contre leur gouverneur étaient mises sur le compte d'une adversité politique qui donne tout l'air d'une haine viscérale de Muyambo à l'endroit de Moïse Katumbi. Après avoir mis sur la toile des accusations, Muyambo, loin de jeter l'éponge, est revenu à la charge en se servant de la tenue des concertations nationales pour dénigrer Moïse Katumbi, espérant l'achever politiquement, cela avec l'appui d'une sénatrice et un ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les trios massacreurs croyaient l'occasion tout trouvée pour arriver à ce fin. Ils ont déposé un document qui, selon les témoins, pouvait bien être un coupe-gorge s'il était confectionné sur la base de faits vrais et vérifiables. Après un show devant la plénière du groupe thématique, les bonnes consciences ont été secouées par un tissu de mensonges. Des indiscrétions clanées dans les couloirs des concertations nationales, il revient que la feuille de chou de Muyambo et compagnie, il a été rappelé aux pêcheurs à nos troubles par la modération de la thématique que le forum national convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, avait pour objectif la cohésion nationale et la recherche de la paix. Au sujet du coup fourré signé Jean-Claude Muyambo, on signale qu'il avait multiplié des réunions à Lubumbashi avant de les poursuivre à Kinshasa où il avait animé le lundi 16 septembre un point de presse avant de saisir le Parlement qui venait de réouvrir ses portes à la même date. La vérité, c'est Moïse Katumbi qui fait ombrage à beaucoup d'apprentis sorciers politiciens. Sa montée fulgurante en affaires, sport et politique a confiné dans leur cancan tous les amateurs qui se sont servis de biens publics pour s'effrayer un chemin en politique. Pendant ce temps, la MONUSCO en confirme l'adhésion au mécanisme conjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'était donc l'essentiel du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO du mercredi dernier, tenu en son quartier général à Gombe. Et là, par la même occasion, affirmé avoir abattu un grand travail pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Mariam Boya pour le reportage. Face à la presse, la mission des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo confirme son adhésion au mécanisme conjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ce mécanisme servira à mettre fin au conflit qui s'écoule l'est de la RDC. Félix Prosper Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, explique. Le mécanisme conjoint n'est pas sous la direction de la MONUSCO. Nous voulons juste d'avoir l'autorisation d'y prendre part. Je pense que d'ici quelques temps, nous aurons un peu plus d'efficacité dans la conduite des opérations qui nous ont été assignées par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La célébration le 21 septembre prochain de la Journée de la paix a été évoquée au cours de cette conférence. Le porte-parole militaire qui a tenté de faire le bilan de maintien de la paix reconnaît que beaucoup reste encore à faire. Le but ultime, c'est de prévenir
d'interdire toute forme d'exaction sur les populations civiles de sortir et de se rendre à un processus d'intégration. Nous, nous déployons pour protéger les populations civiles, éviter des dégâts collatéraux. Par ailleurs, grâce au PNUD, pour la première fois, un tribunal de paix s'installe à Chabunda, au sud Kivu, ce qui donne aux habitants du territoire un accès facile à la justice. Ce tribunal est aussi un des outils essentiels en vue de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Les activités parlementaires pour la session budgétaire ont repris depuis lundi à la représentation nationale. Devant les invités de marque venus de différentes institutions du pays, mais aussi le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Aubin Minako, n'a pas donc caché ses inquiétudes sur la situation sécuritaire volatile dans l'est de notre pays. Il a invité ses collègues à plus de responsabilités devant la situation particulière que traverse le pays. Parlant des concertations nationales, il a donc souhaité qu'elles aboutissent à des conclusions positives. Jemima Mogo, Serge Kouété et Blanchard Kandolo. Inscrite dans un contexte singulier, celui de la tenue des concertations nationales, la cérémonie d'ouverture de cette session essentiellement budgétaire est gratifiée par la présence d'une délégation de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, conduite par son président Justin Kumba. Devant un public sélect venu de toutes les institutions du pays, Aubin Minako salue les progrès considérables opérés par le gouvernement sur le plan économique et social. Il souligne toutefois que son institution reste préoccupée par la situation de guerre dans l'est du pays, avant de rappeler les objectifs du forum national tel que défini par le chef de l'État dans son discours. Dégager des voies et moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne et renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, de mettre fin au cycle infernal des violences à répétition, principalement dans le nord et le sud ainsi que dans l'Ituri, de conjurer toute velléité de s'associer aux tentatives exogènes de déstabilisation du pays et de planifier ensemble son développement socio-économique dans la paix et la concorde. Son homologue du Congo Brazza, quant à lui, appelle les députés à plus de responsabilités face aux défis de la RDC. L'Assemblée nationale de la République du Congo m'a chargé de vous apporter un message de solidarité face aux nombreux défis auxquels vous êtes confrontés et qui sont aussi les nôtres. Défis de maîtrise de l'espace territorial, défis de réconciliation nationale, défis de paix et de consolidation de la démocratie. Par ailleurs, Aubin Minako indique que les concertations nationales n'empêcheront pas la délibération parlementaire en plénière ou en commission, moins encore le contrôle parlementaire, avant de préciser que des dispositions pratiques seront prises conformément au règlement intérieur. Toujours à l'Assemblée nationale, retenez que la première conférence des présidents des commissions a eu lieu jeudi dernier. La question de l'arrestation des députés a été donc débattue au cours de cette conférence de présidents, la première pour cette session de septembre 2013. Norbert Ezadri, porte-parole ou rapporteur bien sûr de la Chambre basse du Parlement, l'a dit. Il a invité ses collègues à plus de responsabilités pour traiter ce cas avec tous les sérieux. On l'écoute au micro de Thierry Kasungu. Vous le connaissez, il y a le cas de l'honorable Nzangi qui aujourd'hui est incarcéré à la prison centrale de Makala pour 3 ans. Et puis il y a le député l'honorable Molumba qui a eu des démêlés avec le tribunal de grande instance de Matete. Il y a aussi un dossier entre l'honorable Poba et l'honorable Puela au Bas-Congo avec le tribunal de grande instance de Bas-Congo. Enfin, ces trois cas judiciaires a permis un peu de réfléchir. Il faudra une introspection au niveau de la plénière. Les députés devront réfléchir sur ces états de choses
pour un comportement efficient. Sinon, quant à l'honorable Nzangi, les possibilités, donc toute ouverture judiciaire qui va se présenter pourront être utilisées dans ce sens-là. En ce qui concerne l'honorable Moulumba, il y a une commission de formation qui va bientôt descendre sur le terrain afin de produire un rapport et tirer les conclusions nécessaires. Voilà, en ce qui concerne l'honorable Puela et l'honorable Poba, de la même manière, le président, le bureau va encore approfondir le dossier davantage et en faire compte à la prochaine conférence des présidents. Comme nous parlons justice, il faut retenir que difficile d'être à sa place, le pasteur Denis Lessy et ses compagnons d'infortune écopent de 10 ans de servitude pénale principale. Le jugement du tribunal militaire de garnison de Kinshasa est tombé vendredi dernier au cours de son audience foraine tenue à la prison militaire de Ndolo. Le chef de l'église Arche de Noé a été reconnu coupable donc d'escroquerie, association des malfaiteurs et trafic d'influence. Les condamnés ont annoncé sur le banc leur décision de faire appel. Thierry Kassongo. Le tribunal militaire statue sous l'action civile. C'est à 16 heures passées de 45 minutes que la sentence du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe est dévoilée. C'est là, conformément à l'article 149 de la Constitution et la loi 023 portant code pénal militaire. L'évêque général Denis Lessy est condamné avec admission des circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale principale. Même peine pour son collaborateur Major Kassongo. Pour Denis Lessy, par le fait conjuguer des infractions à concours idéal, et cela conformément à l'article 7 du Code pénal militaire, à une peine unique, la plus forte, c'est-à-dire à 10 ans de servitude pénale principale. Cette décision a laissé les membres de famille en sanglots, ce qui a poussé la partie défenderesse à proposer d'aller en appel. Le ministre lui-même de l'Intérieur, en présentant ses accusés devant la presse, il a soutenu que le ministre Ntaw a cherché à être au gouvernement. Nous allons faire appel puisque nous sommes sûrs qu'au premier degré, ça allait être difficile, vu le tollé, vu le nom du chef de l'État qui a été cité. Je pense que nous irons en appel et nous sommes sûrs et certains que nos clients vont être acquittés. Notre client sera acquitté au niveau de l'appel puisqu'il y a plusieurs ouvertures. Voilà pourquoi nous demandons aux uns aux autres de continuer à croire. La partie défenderesse a donc 5 jours pour interjeter appel, alors que la partie demanderesse s'est refusée de tout commentaire. Dans un autre chapitre, malgré la demande faite par le vice-premier ministre en charge du budget au Sinamed de revenir au bon sentiment, le syndicat national des médecins du Congo refuse d'obtempérer et radicalise son mouvement de grève. Une situation qui n'enchante pas les malades qui ne savent pas à quel sens se vouer. José Junior Ouawa et Baby Malobo qui ont fait un tour dans quelques hôpitaux de la capitale rapportent. Après plus d'une semaine de négociations entre le gouvernement et les deux syndicats, c'est le statu quo entre les deux parties. Pour Daniel Moukoko, vice-premier ministre en charge du budget, le gouvernement ne pourra répondre aux médecins qu'après le vote du budget de 2014 et les syndicalistes n'ont qu'à reprendre de service. Pour le gouvernement, il va y avoir un peu plus de marge de négocier en ce qui concerne le budget 2014 que par rapport aux demandes immédiates qui ne sont pas prises en charge budgétairement dans le cadre budgétaire actuel de 2013. Ce serait irresponsable de prendre des engagements et de ne pas avoir les moyens budgétaires de faire face à... Un appel immédiatement rejeté par le Sinamed qui s'est dit ne plus faire confiance aux promesses du gouvernement qui ne sont pas souvent tenues. À ce jour, la plénière n'est jamais convoquée, ni par le vice-premier ministre, ministre du budget, ni par le ministre de la Santé publique, ni par le ministre de la Fonction publique, puisqu'ils sont les signataires de cet arrêté interministériel. La plénière n'a pas validé les conclusions des sous-commissions.
nous n'avons pas une réponse officielle du gouvernement de la République. En cet instant, parce que nous considérons que c'est le gouvernement de la République qui prolonge la grève de médecins, exaspère le médecin, frustre le médecin, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la radicalisation. Pendant ces temps, les malades sont abandonnés à leur triste sort et n'ont qu'une phrase dans leur bouche, la bonne foi des autorités. Malgré ce climat électrique entre les deux parties, la signature d'un accord est toujours d'actualité dans l'ombre de la convocation de l'Assemblée plénière par le gouvernement censé statuer sur la question. Plus de 2 millions d'enfants sont affectés par la malnutrition aiguë et plus de 6 millions d'enfants souffrent de retard de croissance en République démocratique du Congo. Cette conclusion de l'enquête mixte réalisée en 2010 a poussé le gouvernement congolais ainsi que ses partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF, à définir une politique nationale de nutrition susceptible d'assurer à tous les habitants un bon état nutritionnel, gage de développement de la République démocratique du Congo. Mercredi dernier, toutes les parties prenantes ont procédé à la validation d'un document qui met donc un accent sur l'approche multisectorielle. C'était au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, nous disent Bijumbui et Rose Awazi. Cette politique que prônent tous les partenaires impliqués dans la lutte contre la malnutrition en RDC se veut une approche holistique. Les axes stratégiques qui sont définis intègrent des interventions dans le secteur de la nutrition et dans les secteurs sensibles à la nutrition. Aujourd'hui, la validation de cette politique s'avère plus qu'indispensable dans un pays où l'on constate malheureusement que les prévalences de diverses formes de malnutrition demeurent encore élevées. Aujourd'hui encore, un enfant sur 10 souffre de la malnutrition aiguë, tandis que plus de 4 enfants sur 10 sont victimes d'un retard de croissance résultant de la malnutrition chronique. Seul un enfant sur 2 arrive au monde protégé contre le risque de retard mental dû à la carence en iode, alors que 7 enfants sur 10 et la moitié des femmes en âge de procréer souffrent d'anémie, responsable de difficultés d'apprentissage pour les jeunes enfants et de baisse de la productivité de l'adulte qui sera venu. Approche multisectorielle, cette politique actualisée présente des particularités que relève ici le ministre de la Santé publique, Félix Kabangé-Numbi. La nouvelle politique nationale de nutrition prend en compte tous les déterminants, comme vous l'avez vu, de la malnutrition, si bien connue de tous les secteurs qualifiés de sensibles à la nutrition, tant au niveau des structures gouvernementales que dans d'autres structures, notamment les organisations non gouvernementales, la société civile, la Fédération des entreprises du Congo et tant d'autres, et cela tant au niveau national, provincial qu'au niveau des communautés. L'adoption de la politique nationale de nutrition n'est qu'une étape importante et nécessaire. Le pays n'en récoltera les dividendes que lorsque les interventions prévues dans ce document seront mises en œuvre à grande échelle et de manière coordonnée et intégrée. Et pendant ces temps, les organisations humanitaires se plaignent de leurs conditions de travail en province orientale. Une dizaine d'entre elles a décidé de plier bagage à cause de plusieurs difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain. Jeudi dernier, au cours d'un café de presse, OCHA a donc présenté un tableau sombre de la situation humanitaire que traversent les populations de la province orientale. Mariam Boya pour le reportage. Au total, 10 ONG se désavouent de la province orientale. Pourtant, cette province fait face aux différents défis sur le plan humanitaire. Sarah Djerir, l'office de liaison de la première urgence aide médicale internationale, explique les causes de leur départ. Nous quittons la province orientale par manque de financement qui nous permettrait de continuer d'autres projets de réhabilitation ou d'amélioration de la sécurité alimentaire de la population. Le problème que nous avons rencontré, c'est évidemment l'afflux des déplacés ou des réfugiés de la RCA qui se retrouvaient dans des situations dans le grand dénouement et le problème d'accès.
Cette rencontre avec la presse a permis au Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC de faire un état des lieux de la situation humanitaire en province orientale. Donc s'ils disparaissent, si les gens qui s'occupent des routes, nous aussi on fait des routes de notre côté, on en a réhabilité 375 km dans le cadre du cluster logistique, mais si les autres, qui sont aussi des acteurs, sont plus là, c'est du problème pour emmener les vivres, pour emmener pour les autres organisations, pour amener le matériel médical, etc., etc. Donc ça a un impact sur absolument tout le monde. Par ailleurs, on note la présence massive de réfugiés centrafricains dans cette partie de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a des besoins financiers. Rendons-nous cette fois-ci dans la commune de Bandalungwa, Kinshasa. Les travaux de réhabilitation du pont Molar dans cette commune avancent à pas de géant. L'entreprise commise à ces travaux travaille d'arrache-pied pour remettre l'ouvrage en temps réel. Voilà qui réjouit les riverains qui saluent la rapidité de ces sociétés chinoises de construction. Nadine Maïfula et Patti Aluma pour le reportage. Sur le terrain, l'entreprise chinoise s'active pour remettre à la population l'ouvrage selon les délais impartis. Les travaux avancent plutôt bien. Les dalles des sous-sols sont posées, les deux pieds droits sont levés. Il ne reste plus que la superstructure ou tablier pour que l'ouvrage soit opérationnel. Satisfait de voir la rapidité avec laquelle les travaux avancent, la population ne cache pas sa joie. L'avancement des travaux, c'est avancé. Plus vite, je suis content pour ce pont. Je suis contente parce que ces travaux avancent normalement. Ils doivent accélérer pour éviter les embouteillages. Bon, ces travaux ici, bon, je vois ça quand même, ça marche petit à petit. Hein. Ça marche petit à petit par rapport à l'autre fois, maintenant ça va. La population riveraine attend avec impatience la fin des travaux, les ponts et des grandes utilités, surtout avec les flux des populations qui viennent de Selembao, Ngiringiri et d'autres communes voisines. Amorcée en juillet dernier, l'entreprise chinoise compte rendre le pont au mois de décembre prochain. Voilà, merci Nadine Maïfiloa pour ce reportage et nous allons suivre bien sûr la dernière partie de ces travaux au fil de temps. Alors, c'est ici que s'achève cette édition d'information et vous allez retrouver bien sûr ce lundi matin à partir de 9h, Jemima Mogo et dans l'après-midi, Paul Félicien Nagana. Pour les informations sur la télé républicaine Télé 7. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne suite de programme sur la télé républicaine et au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.